Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 10h tout juste, l'église vient de sonner, l'abricot vient de s'endormir pour son sieste tout du matin, c'est pourquoi je parle un peu plus bas que d'habitude. Ce matin, mon amie vient prendre le petit déj, donc moi j'ai déjà pris un café, mais je reprendrai un avec elle. Voilà, comme ça on va se voir, on va papoter et tout. Papa Dadou est en repos, donc là il fait une grasse mat. Voilà, on va faire en sorte de ne pas faire trop de bruit pour pas le réveiller et pour pas réveiller Léo, bien évidemment. Voilà, voilà, donc il s'est réveillé à 8h et hier il s'est endormi à minuit, moins 5, moins 10. Pff, autant vous dire que c'est un bébé qui dort très très peu. Écoutez, là, moi, opération, lavage de bib et ensuite mon ami arrive pour prendre le petit déj avec moi. Bon, alors je vous reprends, il est 12h52, très exactement. Je vous ai laissé tout à l'heure puisqu'en fait, bah après j'étais avec mon ami, on a pris le petit déj et on a été faire une balade autour de chez moi avec Léo. En rentrant, il a mangé et là, il vient de s'endormir pour la sieste. Pour combien de temps? Je ne sais pas, sachant que tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il dormait, il a dormi 20 minutes. Donc je pense qu'il était KO. Je voulais vous parler d'un truc. Oui, attendez, je me suis changée parce qu'en fait, j'avais mis une combi à la base à rayures que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai ouvert le vlog. Et en fait, j'ai mes règles. Et c'est pas du tout pratique, donc j'ai été me changer. Et j'ai tellement mal au ventre, et les gars, franchement, je sais pas vous, pour celles et ceux, enfin celles et ceux non, mais celles qui sont, ont déjà été maman. Moi avant j'avais des règles beaucoup moins douloureuses, et depuis que j'ai accouché, donc suite à mon retour de couche et tout, bah franchement mes règles, c'est sport quoi, j'ai trop mal au ventre. Bref, c'est pas grave, hein, mais c'est... C'est relou. Donc je vous disais, je voulais partager avec vous un truc puisque hier, donc je suis allée dans un magasin pour tester un magasin et vous en faire une vidéo. Ce magasin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, c'est le magasin Klo, donc K-L-O. Ce sont les magasins qui ont repris les tatis en fait. Les tatis, enfin je pense que tout le monde a connu Tati dans sa vie. Je me souviens que petite j'allais à celui de Barbès avec ma mère et mes sœurs. Enfin bref, c'est Tati, c'était l'enseigne rose avec écrit Tati en bleu. Donc les tatis fermes. Beaucoup ont été repris par Klo. Donc je me suis renseignée et tout, j'avais fait tout plein de recherches sur ces magasins et je me suis donc rendue dans l'un d'entre eux hier pour tester. Parce qu'en fait apparemment c'est comparable à peu près à Noz, Stokomani, voire Action. Et donc je me suis dit, bah, s'il y a un bon plan à leur partager, je vais tester et je vais leur faire un retour. Alors, comment vous dire? Pourquoi je n'en fais pas une vidéo? Parce que je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Je vous en parle là parce que bah, du coup, j'ai rien acheté, donc je ne vais pas vous en faire une vidéo dédiée. J'ai trouvé ce magasin clairement inutile. J'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout, je sais pas du tout, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé que les prix n'étaient pas plus intéressants qu'ailleurs, il n'y avait rien d'exceptionnel, c'était pas forcément bien rangé. Je vous avais fait des plans et tout, du magasin, on rentre par les gros électroménagers, donc les frigos, les machines et tout. Alors là-dessus, je vais pas donner d'avis parce que perso, je suis pas en recherche d'un frigo ou quoi, et j'avoue que je connais pas les prix tout simplement, mais donc. Ils vous mettent toujours un prix sur les étiquettes, le prix de base et le prix vendu chez Klo. Alors ça semble intéressant, mais franchement, bah voilà quoi. Le reste, il y a beaucoup de vaisselle, beaucoup beaucoup de vaisselle. Il y a des produits d'entretien, il y a de la nourriture et tout. La vaisselle, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé des choses intéressantes, mais pas forcément des choses dont j'avais besoin. Les prix semblaient corrects, mais alors pour tout ce qui est bouffe, produits ménagers et tout, j'ai pas trouvé ça du tout attractif au niveau prix. Ouais. J'ai pas eu du tout le coup de cœur, j'étais saoulée parce que je me suis dit ah cool, je vais avoir un truc chouette à leur partager, un nouveau magasin à tester et tout. Ouais, bah je l'ai tellement testé que j'ai rien acheté et que ça m'a pas du tout séduite. J'ai franchement pas kiffé, voilà. Genre à un moment je regardais la litière pour cachou parce qu'il y a des trucs aussi pour les animaux. La litière que moi j'achète à 3€ je crois chez Leader Price à peu près. Donc c'est de la litière en silice. Chez Klo, elle était vendue 5€ et je crois qu'il y en avait encore moins dans le sachet. Donc c'était pas forcément intéressant, voire pas du tout. Tout ce qui est nourriture, j'ai pas vu des prix être très très attractifs par rapport à ce qu'on trouve chez Carrefour et tout quoi. Donc ouais, déception, franchement, j'étais déçue et ça m'a pas séduite. Voilà, donc le retour que je vous ferai sur les magasins Klo, je vais pas vous en faire une vidéo ou quoi parce que
J'ai pas du tout été séduite et je tenais quand même à vous le dire. Voilà, j'ai voulu tester et ce n'est pas approuvé de mon côté. Sinon, hier, je suis pas sortie pour rien quand même, puisque j'en ai profité en fait pour aller chez Kiabi rendre les deux jeans que je vous avais montrés dans le précédent vlog qui ne m'allaient pas du tout. Du coup, bah, j'ai recracos pour l'abricot. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté, c'est tout mignon, tout plein. Bon, quand je vous dis que j'ai cracos, hein, j'ai pas cracos énormément, mais en solde, j'ai trouvé deux petits. Alors, nous, on n'est pas trop Marcel, mais ceux-là sont côtelés et assez épais, assez jolis. Donc, j'en ai pris deux parce que Léo, il n'en avait pas pour cet été. Ils étaient à moins 50, ça les faisait 1,50 pièces. J'en ai eu pour 3 euros les deux. Franchement, je me suis dit pourquoi pas. Donc, un marinière et un tout blanc avec des petites pressions à l'arrière. Voilà, donc c'est les seuls trucs que j'ai pris en solde. Sinon, j'ai trouvé, vous savez, les fameux pyjamas de chez Kiabi en velours, donc pour cet hiver, qui sont vendus au prix de 4 euros. Voilà, bah, je les ai pris parce que j'ai peur, en fait, ils partent très vite. Et donc, j'ai peur qu'après cet hiver, on les trouve pas à sa taille ou quoi. Donc, j'en ai pris un jaune, comme ça, je les ai pris en 12 ou 9 mois, ça dépend. Donc, un jaune comme ça où il y a écrit petite étoile. Ils sont très bien, ils sont impressionnants, ils sont épais, franchement, ils sont assez simples et tout, donc j'aime bien. Ah, il paraît plus bleu à la caméra visiblement, mais il est plutôt gris. Ouais, il est gris bleu quand même. Et où il y a écrit petit rêveur et un autre blanc où il y a marqué little dreamer. Donc la même chose en anglais. Voilà. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Au moins je sais que j'ai 3 pyjamas bien chauds pour cet hiver. Et il y en avait d'autres. Hein. Il y avait d'autres. Il y en avait un gris foncé. Il y en avait un rose. Et je crois que c'est tout. Mais en tout cas, ils sont chouettes. J'en avais vu aussi un 2 pièces, mais cette fois-ci à 7 euros avec un petit lion. Trop mignon, je ne l'ai pas pris, mais je pense que je le reprendrai la prochaine fois. Donc voilà, comme vous le savez, pendant l'été, je fais le stock pour l'hiver. Voilà, comme pour moi en fait. Mais c'est des petites trouvailles d'hier, du coup. Et Clo, ouais, grosse, énorme déception. Sinon, aujourd'hui, j'ai reçu 3 colis ce matin. Donc j'ai reçu les couches de Léo, je les ouvrirai tout à l'heure avec vous. Donc toujours de chez June. J'ai reçu un petit craquage que j'ai fait sur showroom privé, sur une vente mage. Franchement, j'avais craqué sur un sac et là, il était en vente. Donc, je l'ai pris, je l'ai reçu ce matin. Et j'ai reçu également un colis de chez Respire. Je vais vous montrer ça, c'est une marque que je ne connais pas et que je suis trop contente du coup de pouvoir tester. Donc, la marque Respire m'a envoyé un petit message pour savoir si je voulais tester les produits. Et comme je ne connais pas, j'ai été contente puisque je vais pouvoir tester et vous dire ce que j'en pense. Donc, j'ai reçu ça. Alors, une lotion, non, c'est plus un lait, je pense, après soleil naturel. Donc, apparemment, la marque Respire est très, très nature, très tout ça. C'est français, donc je suis contente. Il y avait un petit pochon comme ça. Et on a donc une crème solaire, donc un indice 30. Très bien pour cet été, j'ai envie de vous dire. J'espère qu'on va pouvoir partir. Et il y avait également, alors ça c'est top, sachant que j'en ai un autre déjà à tester de chez Dope, mais un shampoing solide. Et je réfléchis de plus en plus à me tourner vers des shampoings solides. C'est vrai que moi je suis adepte de la marque Furterer pour les shampoings. Mais je me suis dit pourquoi pas tester, c'est plus, voilà, c'est plus responsable envers l'environnement et tout, donc je me suis dit why not. Voilà, donc du coup trop cool à tester, on verra cette petite marque française ce qu'elle a dans le ventre. Alors, ouverture du colis June. Tadam ! Donc nous sommes donc à la taille 4 pour Nono puisque c'est de 7 à 14 kg et je pense qu'il pèse 8,5 kg peut-être. Donc un premier paquet de 48 couches de Odile le crocodile. Un autre paquet de couches de Barbara la koala, donc c'est un peu plus estival et tout. Je sais pas si vous pouvez voir là un petit peu, ils sont trop choupinous. On a également comme d'hab les 3 paquets de lingettes. Donc nous on les prend à l'eau mais elles y sont aussi à l'huile d'olive. Mais moi je les prends à l'eau parce que bah, je préfère. Dans le papier on a l'eau nettoyante qui est très très cool pour passer un petit coup, franchement j'aime beaucoup, elle est vraiment top, c'est celle qu'on utilise pour Nono du coup et franchement elle est très bien et elle sent bon. Et pour finir un dernier paquet de couches et cette fois-ci à rayures avec des petits bateaux, voilà le petit motif assez simple qui s'appelle Malo et ben voilà, écoutez, il y a de quoi faire pour le mois. Et pour ce qui est du sac Mage que j'ai commandé donc sur une vente showroom privée, eh bien, regardez-moi la beauté. Donc c'est un sac que j'ai pris pour cet hiver. Mais je suis red dingue. Est-ce que à l'œil vous pouvez imaginer la douceur? Il est magnifique. Donc il est cognac. Vous avez une poignée sur le dessus comme ça. Franchement, je suis en amour dessus. Je me dis que cet hiver il va être mais canonissime. C'est clairement pas un sac d'été, hein, on est d'accord. Attendez, parce qu'elle aura une main
The Galère, voilà. Donc à l'intérieur il est comme ça, vous avez la petite bandoulière qu'il faudra que j'accroche, tac, et franchement je le trouve mais tellement beau, et ça valait vraiment le coup. Moi perso j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop la marque Mage, mais c'est une marque qui est chère, oui, qui est très chère quand même, faut le dire. Et du coup sur la vente showroom privé, ça valait vraiment le coup, je crois que j'ai eu 300€ de réduction, quelque chose comme ça. Il est splendide, il est magnifique, il est d'une douceur, mais je suis complètement in love, je le trouve trop beau. Et cet été, autant vous dire que ça, déjà j'aime beaucoup le marron en hiver, cet hiver, déjà j'aime beaucoup le marron en hiver, mais alors là, je meurs d'amour, il est vraiment trop beau, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires, mais perso, le coup de cœur quoi. Franchement, je l'ai vu, je l'ai mis direct dans le panier. Bon, je vais vous dire, il est 18h15, je vous reprends que maintenant, puisque tout à l'heure, on a mangé un truc rapidos pendant le siestou de Léo, qui a dormi quand même 1h15, donc pas mal. Et ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, je suis partie m'allonger, parce que clairement, là, c'était pas possible. Genre, la douleur, j'ai trop, trop mal au ventre et tout. Et comme Dadou était là, il m'a dit, écoute, va t'allonger. Moi, je vais m'occuper de Léo. Du coup, j'ai été m'allonger une heure et demie peut-être. Alors, j'ai pas réussi à dormir, mais ça m'a fait du bien. Je me suis allongée avec le ventilateur et tout, tranquille. J'ai posé mon téléphone, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai imaginé des choses. Voilà. Et je me suis peut-être un petit peu assoupie, mais pas réellement. En tout cas, j'ai pas sombré dans un sommeil profond comme j'aurais pu le faire des fois. En faisant une sieste. Donc écoutez, ça m'a fait du bien. Là ça va mieux, j'ai repris un Doliprane, parce que clairement j'avais trop mal quoi. Enfin, si merde les ragnognouches. Dadou lui est parti à la salle, parce que il n'avait pas encore bougé de la maison. Il est parti se défouler 1h30, 2h à la salle. Voilà. Nous avec Léo, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va cuisiner. Je sais pas si je peux aller faire un petit tour à pied, mais tout à l'heure il y avait des nuages. Donc bon, je sais pas trop, on va voir en fonction, parce que là il est un petit peu chouin, il est pas trop dans son assiette, donc on va voir. Voilà, du coup je vous ai pas pris depuis un moment et je vous ai pas vlogué grand chose, mais clairement j'avoue, premier jour de règles, ça te casse tout ton programme. C'était pas prévu, c'est arrivé, on fait avec et on s'adapte. Est-ce qu'on aurait pas un petit asticot bien trop cool là en plein dans la forêt? Regardez-moi ça. Ouais, alors ne jugez pas cette coupe. Hein. J'ai mis une pince. Et oui, je me suis encore changée. J'ai mis un legging et un t-shirt large et des baskets. Parce qu'en fait, ma robe, elle arrêtait pas de tomber. Et on voyait tout le temps mon soutif. Donc je me suis dit, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour aller se promener. Donc j'ai enfilé un legging et un t-shirt. Voilà, du coup, j'essaie de me promener en marchant un peu vite avec Léo. Comme ça, ça me fait faire un peu de sport. Et là, donc, je suis en plein dans la forêt. Et Léo est en poussette. La poussette, franchement, elle roule trop bien. C'est hyper pratique. Donc, voilà, écoutez, petite balade du soir. Il est bientôt 19h, je crois. Puis bon, comme il en avait marre d'être à la maison et tout, il était un peu ronchon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Au moins, là, ça lui fait prendre l'air. Et puis, comme ça, on se balade. Et moi, je fais un peu de sport. Et c'est avec la coupe de folle que je vous reprends. Attendez, je vais éteindre la télé. Je m'étais posée sur le canapé, parce qu'en fait ce soir il y a Stéphane Plaza et vous savez, nous on cherche à acheter une maison. Et du coup je me dis, non mais ça se trouve on va trouver des trucs et astuces. Bref, n'importe quoi. Alors tout à l'heure l'abricot a bu tout son bib entier, donc j'étais contente, je me suis dit ouais cool, il va dormir. Donc ensuite on est monté jouer, je l'ai mis en pige, je l'ai couché, il s'est endormi, je me suis dit oh là là, magnifique. 20h15, Léo mangé, en pyjama, couché, en train de faire dodo. C'est à peine croyable. C'est-à-dire que j'avais du mal à y croire. Et je me suis dit, c'est parti, il va dormir toute la nuit. Il a dormi 20 minutes. Il a dormi 20 minutes, le cochon. Bref, j'ai envie de vous dire la routine. J'allais ouvrir mon frigo, puisque je vais faire le poisson pour ce soir. Il est juste là. C'est du filet de merlan que j'ai pris à la poissonnerie de Carrefour. Donc je vais faire ça. Je ne sais pas du tout avec quoi, je pense avec du riz, hein. Franchement, la flemme. Donc je vais faire ça avec un beurre citronné, un peu, vous savez, un beurre noisette et puis un petit peu de citron, ça va être très bien. Voilà, j'ai envie de faire simple ce soir, mais des fois les choses simples, c'est souvent les meilleures.
Du coup, je vais vous abandonner ici puisque je suis claquée. Je vais faire le riz. Je vais attendre que Dadou rentre pour faire le poisson à la minute en fait. Et en attendant, moi, je vais aller me doucher. Clairement, mes trucs là, je suis capoute moumoute quoi. Maman, elle est capoute chérie. Donc, j'espère que ce petit vlog où je n'ai pas tant vlogué que ça, comme d'hab, vous aura quand même plu. Moi, je vous retrouve très vite dans un prochain et je vous envoie comme d'hab, again and again, plein de gros bisous. Ciao, ciao.